Mercredi 17 février, bienvenue à une autre édition du balado du Centre-Ville. Alexandre Tournier en compagnie de Max Boudreau et un invité bien spécial. Vous le reconnaissez évidemment, Charles Dubébret. Bon lendemain de tempête, messieurs. Max, est-ce que c'est moi ou une fois sur deux en hiver, lorsqu'on fait le balado du Centre-Ville, c'est tout le temps un lendemain de tempête? Ça tombe comme ça, mais écoute, on vit au Québec, donc une semaine sur deux, il y a une tempête, puis on se dit toujours ça va être la dernière, mais il va en avoir une autre, là, c'est sûr, ou deux ou trois. Et là, la bonne nouvelle pour toi, Charles, c'est que tu fais le match de ce soir qui sera présenté sur les ondes de RDS, mais pour toi, c'est mieux que ce soit ce soir qu'hier parce que tu descends de Toronto dans quelques minutes à peine pour te rendre à Montréal. Donc, disons que les routes vont être beaucoup mieux ce matin que ce n'aurait été le cas hier. Donc, messieurs, ça fait deux semaines depuis la dernière édition du balado du Centre-Ville. Beaucoup de choses se sont passées. Bon, du côté des Raptors de Toronto, fiche de 4 victoires contre 3 revers depuis donc le dernier balado. J'aimerais revenir avec vous tout d'abord sur les Raptors de Toronto, mais je veux également vous dire, on aura une autre invitée dans le balado du Centre-Ville plus tard ce matin. Élise Jobin, une physiothérapeute, une ancienne du Rouge-et-Or de l'Université Laval, qui viendra nous parler de son application Pro Athlete. Ce sera également question du Jazz de Utah et des joueurs partants, du moins qui devraient faire partie des formations partantes au match des Étoiles. Donc voilà, parlons des Raptors de Toronto. Tout le monde se souvient évidemment du match de dimanche, une défaite contre les Timberwolves du Minnesota. Et Max, je me souviens qu'il y a deux semaines, les Timberwolves étaient des zéros de Boudreau. Et là, voilà que les Raptors de Toronto se sont inclinés contre les Timberwolves. Là, c'était la panique. Et là, soudainement, hier, victoire contre les Bucks de Milwaukee. Max, tout d'abord, qu'est-ce que tu as fait de la dernière séquence des Raptors de Toronto? Donc, on va perdre contre l'une des pires formations de la NBA. Et hier, on va infliger un revers aux Bucks de Milwaukee. Ah, écoute, quand j'ai vu le match contre Minnesota, là, c'est un match piège. Tu vois, tu sais, les joueurs aiment ça dire « Ah, on regarde pas les statistiques, on regarde pas le classement », mais c'est sûr que tu ne prépares pas contre un rival comme les Bucks versus une équipe dans l'Ouest que tu vois peut-être deux fois par année, qui est Minnesota, qui était dans le bas-fond. Malheureusement, comme tu dis, les Raptors ont perdu par 4. Ça a été serré à la fin. Je pense que Siakam est arrivé, il a manqué son lay-up pour égaliser à 114-114, puis ils ont dû fauter par la suite. Mais c'est un match piège parce que Minnesota, oui, ils n'ont pas une bonne fiche, mais Karl Anthony Towns n'a pas joué presque de l'année. Il revenait, puis on sait que les Raptors, des fois, contre un big man productif qui est capable d'attaquer le panier dans l'ordre d'un Joel Embiid, mais on a un peu plus de difficultés. Quoique Towns a fini seulement avec 20 points, mais il a réussi 8 de ses 11 tirs, là, donc tu vois qu'il a quand même eu une excellente efficacité. Mais, tu sais, j'ai aimé la force de résilience, on se peut dire. Tu sais, oui, OK, c'est un match à oublier. Dimanche, on perd contre Minnesota. Mais j'avais hâte de voir le résultat du match hier. Puis, ben, on est arrivé avec une belle victoire là, contre les Bucks. Le retour d'OG Anunoby a amené à ça aussi. Tu as vu Nick Nurse qui a changé là, son 5 partant. On a finalement, si je peux dire, mis Baines de côté et commencé un peu plus petit. Puis même en commençant plus petit, je veux pas dire dominé, mais on a gagné là, au chapitre des rebonds, là, 44 à 41. Donc, une belle victoire. Là. Puis là, ben, on joue encore contre les Bucks, puis on rejoue contre Minnesota vendredi. Donc, on va voir là, comment les Raptors vont terminer la semaine. Deux matchs d'ailleurs qui seront présentés sur les ondes de RDS. Charles, justement, parlons de cette formation plus petite que Nick Nurse a utilisée hier. Donc, Van Vliet, Lowry, Powell, Anunoby et Pascal Siakam, les Raptors de Toronto ont connu vraiment un bon début de match, un bon premier quart. Ça s'est gâté par la suite. Lorsqu'on met tous nos œufs dans le même panier, entre guillemets, à l'attaque, parce qu'on s'entend que Baines ne donne pas grand-chose, qu'est-ce que ça implique sur la deuxième unité? Est-ce que c'est là le problème pour Nick Nurse en utilisant une formation plus petite? Pas nécessairement. Je pense que déjà, il faut comprendre, ben, il y a un côté, c'est peut-être le fait de mettre les 5 meilleurs joueurs des Raptors sur le terrain en même temps, sans manquer de respect à Chris Boucher, là, qui,
être dans cette discussion-là, mais je pense que personne argumenterait très fort que, mettons, Nurse n'a pas commencé avec ses 5 meilleurs hier. Mais pour moi, d'un œil de coach, c'était aussi un match contre les Bucks. Les Bucks, c'est une équipe qui a un schéma défensif assez particulier. Ils sont extrêmement poussés dans leur stratégie de, qu'on appelle le deep drop, là, le reculement profond du joueur de centre quand on défend sur les pick and roll. Donc, eux et le Jazz de Utah, dont on va parler un peu plus tard, c'est les deux équipes qui sont les plus gros utilisateurs, disons, de cette défense-là, puis d'y aller vraiment à l'extrême. Brook Lopez, quand affronte Milwaukee, il sort pratiquement jamais de la clé, à part pour pas prendre des 3 secondes défensives. Fait que ça veut dire c'est que comme tu n'as pas beaucoup de menaces pour des lobes à l'éhoop du côté de Toronto, puis tu n'as pas beaucoup de pression sur l'anneau, si tu veux attaquer un deep drop, une de tes meilleures stratégies, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les pick and pop. Je m'excuse pour les anglicismes encore, mais les situations où ton 5 il va s'écarter du panier après les écrans plutôt que de rouler, ce qui fait que si tu arrives à attaquer Lopez, la distance à recouvrir pour lui jusqu'à la ligne à 3 points est vraiment importante. Donc, et je pense que Nick Nurse sait très bien que si tu démarres Aaron Baines contre Brook Lopez, Lopez va être très content de laisser Baines tirer à 3 points tout le match, sachant que le 3/4 du temps, Baines il va attraper la balle et il ne shootera même pas. Donc, la situation va être gagnée par les Bucks. Donc, je pense qu'il y avait un effet stratégique là-dessus de Nurse de dire on joue contre une équipe, on veut poser des problèmes à leur schéma, donc on n'en met pas de centre sur le terrain puis on ne met que des joueurs qui peuvent lancer à 3 points, même si Siakam n'a pas une super saison là-dessus, mais ça complique les match-ups défensifs pour Milwaukee. Donc, j'ai hâte de voir dans les prochains matchs, si on va, puis le prochain est encore contre Milwaukee, mais si on va continuer avec cette stratégie-là contre des équipes qui ont d'autres stratégies défensives ou si c'était simplement quelque chose qui était fait pour attaquer justement cette stratégie-là particulière de Milwaukee. L'implication que ça a, comme tu dis, ben Baines, ça le met sur la deuxième unité. Donc là, tu as peut-être un doublon de trop entre lui et Chris Boucher. Donc, c'est à voir, est-ce que on continue avec ça. Chris a joué ses 30 minutes hier, ce qui est vraiment intéressant. Mais je pense que si vraiment on a beaucoup de succès avec ça, de toute façon, avec Chris, ça va être 5 de ces 6 joueurs-là qui vont terminer les matchs pour les Raptors. Ça, c'est important. Maintenant, de voir avec qui on démarre, je pense que peut-être ça va être en fonction de la stratégie défensive qui est employée. OK. Moi, il y a une chose que je comprends et que je ne comprends pas en même temps. on a souvent dit que le problème avec Chris Boucher, c'est que défensivement, il y avait de la misère à gérer les big men. Hier, évidemment, avec Brook Lopez qui fait 7 pieds et Brook Lopez pèse 100 livres de plus que Chris Boucher, c'est correct. Lorsqu'on y va avec une formation plus petite, là, qui protège l'anneau. Donc, tu sais, il faut qu'on y aille, évidemment, en équipe. Il faut que le schéma soit différent. Mais on reproche à Chris Boucher d'avoir de la difficulté défensivement contre les gros big men. Et là, tu arrives avec une formation sans big man. Ben, c'est Anunoby qui devient ton big man. Puis Anunoby, ben, dans l'absolu, c'est le joueur le plus fort physiquement chez les Raptors de Toronto, ben, avec Aaron Baines, si on veut. Mais je veux dire, il y a moins de chances qu'OG Anunoby se fasse pousser sous le panier au rebond. C'est surtout au niveau du rebond aussi, parce que Chris, pour moi, n'est pas toujours si facile que ça, attaquer un contre un. Puis on dit souvent, les Raptors ont de la difficulté contre les big men. Mais les Raptors trappent tout le monde à l'intérieur. Ils font des prises à deux presque systématiques, indépendamment de qui attrape le ballon. Donc, c'est pas comme si on pouvait juste dire, Karl Anthony Towns ou Joel Embiid, ils ont un avantage de 50, 60 livres sur Chris, on va lui donner la balle. Puisque de toute façon, dès qu'ils vont l'avoir, ils vont être prises à deux. Puis les Raptors sont très bons pour récupérer sur leurs joueurs, après faire les rotations adéquates sur le côté faible. Donc, ça, pour moi, c'est pas la vraie problématique. La vraie problématique, c'est une fois que le ballon est dans les airs, ça s'en va sur le panier. Là, les gars comme Embiid puis ça, se font un malin plaisir de pousser des joueurs comme Chris, qui n'est pas assez lourd, c'est pas de sa faute, mais il fait 200 livres. Donc, tu peux le pousser en dessous du panier, prendre le rebond par-dessus. Et c'est plus dur de le faire si c'est OG Anunoby. Parce que dans d'autres situations, si tu es avec un vrai joueur de centre qui n'est pas Baines, Anunoby, en général, il va défendre sur leur meilleur joueur de périmètre. Donc, et c'est là que ça devient un peu complexe, puis c'est le jeu d'échecs aussi, parce que tu joues les box, tu as besoin d'Anunoby pour défendre sur Antetokounmpo. Mais en même temps, Brook Lopez, en attaque, il se tient beaucoup à la ligne à 3 points, il ne va pas beaucoup au rebond offensif. Donc, il a beau faire 280 livres, Brook Lopez, mais ce n'est pas nécessairement un grand qui va prendre avantage de toi au niveau du rebond tant que ça. Le danger, c'est plus quand tu affrontes les équipes comme, justement, comme Joel Embiid, des joueurs comme ça qui peuvent prendre du rebond sur ta tête. Là, ça devient un petit peu plus compliqué pour les Raptors. Cette petite formation partante pour les Raptors de Toronto n'avait joué que 25 minutes ensemble depuis le début de la saison. Et malgré tout, une des meilleures formations défensives, il était dans le top 5, cette formation, en ce qui a trait à l'efficacité défensive. Évidemment que
l'échantillon est très petit, mais quand même, là, c'est une formation par plante là, qui est en mesure de tenir son bout défensivement. Max, maintenant, Kyle Lowry, hier, on l'a vu, s'est blessé en première demi et est revenu pour le début de la deuxième demi. On nous parle d'une blessure à une cheville, mais on voit que son genou droit sur la séquence lock, finalement, donc se barre. À quel point, justement, une blessure à Kyle Lowry, évidemment, on n'a pas encore de nouvelles à savoir ce qui se passe avec Kyle Lowry. On enregistre ce balado, donc, mercredi matin. Peut-être que ça va sortir plus tard. Chose certaine, Fred VanVleet a pris les choses en main hier. Bien, c'est sûr. Puis c'est une des raisons, je pense aussi, là, on parlait... Chris a été capable de jouer son 30 minutes parce que Lowry en a seulement joué 22. Puis Audi en a joué 27 parce que je pense qu'il y avait un problème de faute. Là. Je me souviens plus de la première demi. Il a terminé avec 4 fautes. Fred VanVleet, c'est la mentalité next man up. Comme il a dit dans l'après-match, Kyle Lowry se blesse, mais c'est le prochain qui doit embarquer sur le terrain, qui doit livrer la performance. Il a terminé avec 33 points, pardon, 12 en 22, 5 en 12, 3 points. On n'a rien à dire là, sur les performances de Fred cette année. Je pense que c'est un des joueurs les plus constants, les plus steady, si on pourrait dire, de son surnom. Mais si je reviens au point à Charles, c'est ça, c'est que tu mets un Chris Boucher, mais tu regardes les statistiques dans la fin de match, les Bucks ont seulement 5 rebonds offensifs, là, puis Brook Lopez en a juste un. Fait que la nouvelle réalité de la NBA, ou je dirais de certains joueurs, c'est que oui, tu en as qui sont de plus gros gabarit, mais Brook Lopez, là, après ses années à Brooklyn, il s'est tenu le long de la ligne de 3 points, là, puis il reste là, puis il attaque même pas pour aller chercher le rebond offensif. Donc, est-ce que cet alignement-là va rester pour le prochain match? Ben, je crois que la blessure de Lowry va le dicter, si oui ou non. Mais je serais pas surpris peut-être de voir Chris commencer là, le prochain match, vu qu'on a eu là, une bonne constance, là, puis un bon résultat là, contre les Bucks. Bon, puisqu'on parle de la position de centre, là, il y a énormément de rumeurs dans les deux dernières semaines. Tout d'abord, Kyle Lowry a mis sa maison à vendre. Et là, à Toronto, oh, là, c'était Dieu. La panique. Kyle Lowry, sa maison est à vendre, Oui, mais c'est le marché, Alex, c'est le temps de vendre. Ben, c'est ça. Ouais. Exact. Et Max Boudreau, qui a acheté récemment et vendu sa maison aussi, je pense. Ben, j'ai pas acheté celle-là de Kyle Lowry, là, mais on n'a pas le même budget, mais oui, le marché est bon, fait que je comprends pourquoi Kyle veut vendre sa maison, mais c'est sûr que la machine à rumeurs a parti là, aussitôt que Kid Kerr a posté ça. Mais pour l'instant, là, on est 17 février, puis Kyle Lowry est encore dans l'uniforme des Raptors. Mais disons là, qu'on se mette tous ensemble, donc tu sais Max, Charles, William, Mathieu, Peter surtout. Si on se met tous ensemble, peut-être qu'on peut acheter la maison de Kyle Lowry à Toronto. Pourquoi pas? On peut acheter une salle de bain, là, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être deux. Bon, chose certaine, et Charles, tu nous en as parlé il y a un mois, je pense. Qu'est-ce qu'on fait avec les Raptors de Toronto? Est-ce qu'on échange Kyle Lowry? Et là, évidemment, que la machine à rumeurs s'est emballée. Non seulement ça, là, il y a le nom de Andrew Drummond qui a fait son apparition à côté de celui des Raptors de Toronto. Drummond qui gagne 28 millions par année. Donc, il y a bien des gens qui ont fait 1 plus 1. Kyle Lowry, Andrew Drummond, on a de la difficulté au rebond du côté des Raptors de Toronto, l'une des pires formations à ce chapitre. Donc, est-ce que ce n'est pas le temps, justement, d'aller chercher un Drummond en retour de Kyle Lowry ou autre? Pour vous, et je sais qu'il y a des journalistes qui disent non, ça n'arrivera pas. Drummond ne viendra pas à Toronto. Parfait, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Mais pour les fins du balado, vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous aimeriez voir Drummond dans l'uniforme des Raptors de Toronto? Est-ce que c'est la transaction à faire ou c'est un coup d'épée dans l'eau compte tenu, bon, est-ce que même avec Andrew Drummond, les Raptors deviennent favoris dans l'Est? Je pense pas. Mais pour vous, est-ce que Andrew Drummond à Toronto, ça fait du sens? Max, tout d'abord. Je vais répondre vite, puis on dirait qu'on se parle toujours des rumeurs d'échange quand c'est nous trois là, sur le balado. On parlait la dernière fois de James Harden, que moi, je voulais pas le toucher, puis que Charles il disait qu'il fallait peut-être faire quelque chose à Toronto. Et je vais aller dans ce sens-là que oui, moi, je ferais quelque chose parce que j'aimerais avoir un genre de Andre Drummond dans notre équipe. En ce moment, Toronto, là, sont 7e dans l'Est, mais ils jouent
pour. Pardon, ils ont 13 victoires, 15 défaites. Donc, ils ne jouent même pas pour 500. Ils sont déjà dans les séries. Fait que c'est sûr que si tu veux que les Raptors restent une bonne petite équipe, comme on dit, le 43-45 victoires, ben, tu ne fais rien. Puis là, ben, les gens vont commencer à stanner parce qu'on a goûté à la gloire il n'y a pas plus loin que 2 ans. Fait que je pense que c'est le temps d'essayer de faire un petit tweak, de faire un électrochoc. Je sais qu'Andre Drummond coûte cher, c'est sa dernière année de contrat. Mais écoute, je vais finir ça juste vite, vite. Il est parti de Détroit, il est allé à Cleveland. Ben écoute, pourquoi pas rester à Toronto? Je pense qu'il aime le froid, il aime l'hiver. Fait que juste pour ça, il serait correct à Toronto. Je pense qu'il aurait plus de fun que Détroit puis Cleveland. Charles, de mettre la main sur un Andre Drummond, à quel point ça transformerait un peu l'attaque et la défense des Raptors de Toronto? Ben, tu réglerais certains problèmes, les problèmes de poids et de rebond. Il ne faut pas sous-estimer le fait que dans les 40 dernières années, si tu prends les 16 meilleures saisons au rebond qui ont été faites en termes de pourcentage de rebond pris, ce qui est la stat la plus parlante, Andre Drummond a 6 des 16 meilleures saisons et Dennis Rodman en a 6. Donc, c'est un des deux meilleurs rebondeurs des 40 dernières années. Donc, quand tu as un problème de rebond défensif, tu peux difficilement trouver mieux que lui pour régler ça. Après, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un peu des calories vides. Drummond, c'est un joueur qui, depuis des années, fait 18 points, 15 rebonds dans la défaite de son équipe et que ça n'impacte pas beaucoup. Mais il reste que, un peu comme Max le disait, les Raptors, la vraie question derrière tout ça, c'est pas nécessairement juste Drummond, c'est est-ce qu'on fait statu quo pendant des années? Qu'est-ce que l'équipe qu'on a vaut réellement? Je veux dire, on joue dans une conférence de l'Est qui est faible, puis on n'est même pas pour 500. Bon, il y a un peu de malchance là-dedans, mais il reste que on voit très bien quand on regarde les Raptors jouer qu'on les imagine difficilement passer plus qu'une ronde en série. Même déjà, si on se rend en deuxième ronde, ça serait probablement assez bon avec l'effectif qu'on a actuellement. Drummond, ben, il coûte 28 millions, mais ça, c'est jusqu'à la fin de l'année parce qu'à partir de l'année prochaine, il est agent libre cet été. Il ne commandera pas un salaire comme ça. Personne ne va lui offrir ça. Donc, ça se pourrait que son salaire diminue à peu près à 15. L'intérêt dans tout ça pour les Raptors, c'est que bon, il y a deux échanges puis c'est comme ça qu'il faut le considérer. Est-ce qu'on considère l'échange de Lowry, donc straight up, comme on dit, Lowry pour Drummond, les salaires match? Ça fonctionne selon les règles. C'est deux joueurs qui deviennent agents libres à la fin de l'année. Je ne suis pas sûr que Cleveland veut vraiment Lowry, mais peut-être ça peut se faire dans un échange à trois. Drummond vient à Toronto, Lowry va quelque part, puis il y a une équipe qui envoie quelque chose à Cleveland. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que Lowry, quand il va devenir agent libre cet été, il compte sur la masse salariale des Raptors pour plus de 40 millions pour l'année prochaine, tant que les Raptors ne renoncent pas à ce qu'on appelle les Bird Rights, c'est-à-dire les droits Larry Bird sur son contrat. C'est-à-dire que, concrètement, on dit les Raptors, ils ont plein d'espace dans le cap salarial, peuvent signer quelqu'un cet été. Ils peuvent, s'ils renoncent à Larry, s'ils ne renoncent pas, ils n'ont pas l'argent pour signer personne. À partir du moment où ils renoncent aux Bird Rights qu'ils ont sur Larry, là, ils peuvent juste offrir à Larry la même chose que les autres équipes, c'est-à-dire l'exception de mi-niveau à 9,5 millions. Et là, c'est loin d'être sûr que Larry resterait. Donc ça, il faut le comprendre. J'ai entendu plein de monde qui disent « faut garder Larry ». Mais si tu gardes Larry en y donnant 20 millions, tu peux signer personne d'autre. Alors, si tu arrives à faire un échange où tu gardes Lowry et tu vas chercher Drummond, tu obtiens les Bird Rights sur Drummond pour l'été prochain. Ce qui veut dire que oui, peut-être va falloir que tu te départisses de Powell, bon, de Baines. Il y a peut-être un morceau là-dedans que tu ne voudrais pas trop donner, mais tu obtiens Drummond. Et là, l'été prochain, tu peux re-signer Drummond et re-signer Lowry. Donc ça, c'est une nuance importante à comprendre. Là, ton 5 de départ de l'année prochaine, ça pourrait être, par exemple, Van Vliet, Lowry, Siakam, Anunoby et Drummond. Ça, je trouve ça intéressant de penser à cet aspect-là, d'aller chercher Drummond maintenant plutôt que d'attendre à la période des agents libres parce qu'on sait que ça pourrait être un joueur que les Raptors cibleraient cet été. Mais n'oubliez pas une chose, tout le monde doit le comprendre, si on attaque Andre Drummond sur le marché des agents libres, ça veut dire qu'on renonce à Lowry. Alors si on arrive à faire un échange, on n'est pas obligé de faire ça et ça, je pense que ça joue beaucoup dans la balance. Évidemment que tu ne veux pas aller faire un trou non plus dans ta formation, donc en ajoutant un Drummond, mais si tu enlèves un Lowry, est-ce que tu es plus avancé? Je pense pas. Et l'impact que ça fait sur ta deuxième unité aussi, si tu te débarrasses d'un gars comme Powell. Bon, évidemment, pour cette année, c'est un gros casse-tête pour les Raptors, mais c'est un 5 partant très alléchant pour l'an prochain. Messieurs, parce que le temps file énormément, c'est aujourd'hui qu'on va... hier, le vote se terminait pour les partants au match des étoiles. Match des étoiles, si tout va bien, va avoir lieu le 7 mars prochain à Atlanta.
La mairesse, d'ailleurs, à Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a dit, écoutez, là, c'est pas le temps de venir à Atlanta pour festoyer en raison du match des étoiles. C'est un événement qui a été fait pour la télé. Ne vous déplacez pas à Atlanta. On sait évidemment que LeBron James n'est pas très content de la tenue du match des étoiles. Et là, on a appris plus tôt cette semaine, en fait, la semaine dernière, que le concours de dunk va avoir lieu, tout comme le concours de tir à trois points, le concours d'habileté également. Le concours de dunk sera donc à la mi-temps. Les deux autres concours se dérouleront avant le match des étoiles. Est-ce que vous êtes pour la présentation du match des étoiles et d'avoir un concours d'habileté avant et à la demi du match? Est-ce que ça enlève un peu de saveur à cette fin de semaine-là, en fait, même à cette journée-là? Ben, moi je vois dans les lignées que LeBron dit, là, je pense que c'est un peu trop poussé, là, surtout cette année. T'sais, on s'entend que le match des étoiles, là, c'est un happening, c'est un week-end des étoiles. Mmh. Là. On l'a eu, là, Charles, je ne sais pas si tu étais à Toronto là, quand il y a eu le match, puis il faisait, je pense, moins 50. Mais tu n'as pas juste le match, tu as le samedi, tu as le vendredi aussi, tu as le match des célébrités, puis toute la semaine, tu as des. Mmh. Tout le monde vient. Dans la ville, tu as des parties dans les clubs, tu as tout ça. Là. Donc, il y a beaucoup d'argent de retombées économiques qui se font avec ça. Là, en ce moment, tu aurais un match à Atlanta, comme tu dis, c'est une journée. La mairesse ne veut pas que personne vienne, donc on s'entend qu'il n'y a personne dans les estrades. Puis le seul fait qu'on veut faire ce match d'étoiles-là, c'est qu'on dit, ah, c'est un événement pour la télé. Mais personnellement, avec la COVID et tout ça, moi, je le passerais cette année, j'en ferais pas. J'ai bien hâte d'entendre Charles de son opinion là-dessus, mais je pense que c'est un petit peu trop poussé. Là. On vient d'avoir des cas là, des joueurs des Spurs encore hier. Là, les matchs ont dû être cancellés. Il y a quatre joueurs qui ont testé positif. Il me semble que ce n'est pas le temps là, d'avoir un match des étoiles où tu vas avoir des joueurs d'un peu tout le monde qui vont arriver, qui vont être dans la même bulle, je te dirais, à Atlanta pour une journée. Je pense que c'est un petit peu trop poussé là, de la Ligue de vouloir absolument faire un match là, pour les partisans, mais il n'y aura aucun partisan là, sur place. Bon, c'est juste une question d'argent, en réalité. Moi, je n'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus parce que ça revient un peu comme la saison. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait une saison? Ben, en tant qu'amateur de basket, oui, mais on sait que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des saisons de sport en ce moment. On le voit très bien en regardant la télé que ça n'a pas la même saveur quand il n'y a pas de supporters dans les estrades. Donc, je pense qu'en bout de ligne, c'est toutes les façons que l'NBA peut sauver de l'argent, ils vont le faire. Donc, un match des étoiles, ça représente combien de millions, de dizaines de millions en termes de retombées économiques, simplement télévisuelles, avec les commanditaires, etc. Donc, c'est la seule raison pourquoi il y en a un. Parce qu'autrement, on pourrait juste faire les sélections pour le match des étoiles puis pas le jouer. T'sais, comme ça, les joueurs, ils peuvent, sur leur carrière, dire « j'ai été sélectionné tant de fois ». Mais la raison pourquoi on va le jouer, ben, simplement pour le plaisir des amateurs, comme on le fait pour la saison aussi. Mais eux, leur raison, c'est pour sauver leur salaire puis sauver le plus d'argent possible. Donc, ça revient dans la même catégorie. Moi, je n'ai pas une opinion très forte sur le match des étoiles en lui-même, en réalité. J'ai hâte de voir également quelles sont les formations partantes de part et d'autre. Donc, comme je le rappelle, le vote qui a pris fin hier, le 16 février, donc les formations qui devraient être annoncées sous peu. Charles, si au début de la saison, je t'avais demandé quelle sera la meilleure formation, la formation avec la meilleure fiche alors qu'on approche là, de la trentaine de matchs disputés par équipe, je suis pas certain qu'il y a bien des gens qui répondraient le Jazz. Et pourtant, là, le Jazz est sur une séquence exceptionnelle. 25 victoires, 23 victoires contre 5 revers. Et non seulement ça, on a remporté 19 de nos 20 derniers matchs. Ça, c'est le meilleur départ du Jazz de Utah depuis le début de leur histoire. C'est mieux que la saison 96-97 avec une fiche de 22-6. C'est mieux que 98-99 avec une fiche de 21-7. Écoutez, à l'attaque et en défense, ils sont exceptionnels. Le Jazz, là, c'est la seule formation dans le top 5 à l'attaque pour ce qui est de l'efficacité à l'attaque, de l'efficacité en défense également. Une excellente formation au rebond également. Très bonne formation à trois points. Donc, on profite de ta présence sur le balado du centre-ville pour que tu nous expliques qu'est-ce qui fait en sorte que le Jazz connaît autant de succès.
Déjà, c'est une équipe vraiment bien construite puis qui est très bonne, comme tu disais, des deux côtés du terrain. Le fait d'avoir deux créateurs, Conley n'a pas eu une bonne saison l'année dernière, mais maintenant qu'il est revenu à son plein niveau, tu as le luxe d'avoir deux excellents créateurs, un qui est encore plus explosif que l'autre, Mitchell, mais Conley qui est un peu plus cérébral. Donc, tu as deux créateurs très brillants avec des partitions offensives un peu différentes, des registres différents. Autour de ça, tu as des très, très bons shooters à trois points comme Bogdanovic, comme Joe Ingles. Mm-hmm. Tu as la présence d'un sixième homme explosif comme Clarkson. Puis on sait que cette équipe-là est toujours basée autour d'une présence défensive importante comme Gobert. Donc, puis Gobert, c'est pas juste une présence défensive, c'est aussi quelqu'un qui shoot à très haut pourcentage, très efficace en attaque parce que pose des écrans, propose une menace verticale en allant au panier. Donc, le fait que Gobert soit tellement grand, tellement habile à dunker les alley-oops, ça fait en sorte que la défense doit refermer un peu plus, puis là, ça libère les shooters à trois points. Ou alors, tu ne veux pas laisser Gobert tout seul, puis tu es obligé de laisser Conley puis Mitchell attaquer. Donc, je les trouve vraiment intéressants à regarder pour n'importe qui prend le temps de le faire. C'est vraiment très, très beau de les voir aller, leur prise de décision, leur équilibre entre agressivité et patience est vraiment exceptionnel en ce moment. Puis, ce qui est important, et le plus frappant, c'est que les victoires dans la séquence actuelle, c'est, je pense qu'il y avait une stat qui est sortie, il y a quelque chose comme 16 ou 17 de ces victoires-là qui sont par plus de 10 points. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas juste comme ils battent des équipes. Français, ils sacquent des volets à tout le monde en ce moment. Ils ne sont pas jouables parce qu'ils ont joué, contre des bonnes équipes aussi, puis ils sont en train de faire la loi dans la Ligue. Donc, est-ce que ça peut se traduire en série? Il va falloir attendre de voir. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais ils ont perdu en première ronde l'année passée. » Ouais, mais sauf que la belle histoire des Nuggets de Denver à un lancé près de Conley qui a fait boum, 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 boum dans le panier qui est ressorti. Et Bogdanovic n'était pas là aussi. Bogdanovic n'était pas là, qui était à 20 points de moyenne au-dessus de 40 % à 3 points l'année passée. Donc, c'est un gros joueur qui leur manquait. Tu te dis, ils sont passés à quelques millimètres près peut-être de faire exactement ce que Denver aurait fait. On ne sait pas s'ils auraient battu les Clippers, mais c'est peut-être eux dont on dirait, ben écoute, ils ont fait la finale de conférence l'année passée, c'est peut-être le temps, peut-être qu'ils sont vraiment prêts à passer un cap et atteindre la finale. Si jamais Davis, ses problèmes de blessure à Los Angeles se poursuivent, ben Utah, c'est une équipe qui pourrait surprendre. J'oublie pas les Clippers et les Nuggets, bien entendu, mais oui, ils pourraient surprendre. C'est une équipe qui a simplifié aussi Utah, sa façon de jouer, à mon avis. Ils font des schémas assez simples, mais très, très efficaces offensivement. Écoutez, j'ai la statistique ici. Il y a donc 17 fois le Jazz a remporté un match par 10 points ou plus. Il y a seulement deux autres équipes dans l'histoire de la NBA qui ont réussi pareil exploit dans un rayon de 20 matchs. Il y a les Cavaliers en 2008-2009 et les Bucks de Milwaukee en 1970-1971. Donc, la séquence présentement du Jazz de Utah, c'est exceptionnel. Le Jazz a réussi à se propulser jusqu'au premier rang de la NBA, premier rang dans l'Ouest également. Maintenant, Charles, j'aimerais que tu nous expliques au niveau tactique, on a fait préparer des schémas. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui fait en sorte que cette formation est si exceptionnelle. Ben, juste le fait, comme je disais, d'avoir deux créateurs, puis on va le voir sur les schémas. Donc, par exemple, sur un système ici, là, on va en décortiquer un seul, mais ils l'utilisent beaucoup. C'est un système qui est assez commun dans la Ligue. On voit les Celtics l'utilisent énormément avec Walker. Donc, en position 1, on aurait Conley. 4, ce serait Royce O'Neal. Le 5, c'est Rudy Gobert. Le 3, Bogdanovic. Et le 2, Donovan Mitchell. Donc, dans la situation actuelle, par exemple, Conley, qui va prendre un double écran. O'Neal qui va rester sur place, shooter à trois points ou préparer l'action du deuxième côté si ça ne fonctionne pas. On a Gobert qui plonge jusqu'au panier. Donc déjà, on a une première menace de Conley qui attaque. Si on va au prochain schéma, il se retrouve avec une situation où s'il ne marque pas en fonction d'où l'aide est venue, il pourrait passer la balle dans les deux coins pour des tirs à trois points. À Gobert qui présente une menace verticale, comme je disais, au panier. Si le défenseur du 2 est venu sur le 5, Gobert, ben, ça libère un tir à trois points. Et la dernière option, ben, c'est simplement de la lancer derrière à Royce O'Neal, qui lui, ben, ce qu'il va faire, si on voit le prochain schéma, il va enchaîner ça, lui, sur une situation où il va dribbler la balle, là, le petit dribble en zigzag qu'on voit ici. Donc, il va dribbler la balle vers Donovan Mitchell, donc un joueur étoile qui est là pour lui continuer l'action du deuxième côté. Gobert va leur laisser de l'espace en traversant. Et là, on se retrouve avec Donovan Mitchell, situation souvent qui va être de pick and pop, qu'on appelle, où O'Neal, lui, il va pas rouler au panier, il va s'écarter dans le coin à trois points si on passe au prochain schéma. Donc, O'Neal s'écarte. Mitchell, lui, attaque le milieu de la clé. On sait à quel point il est explosif, puis il peut aller terminer avec la faute, il peut créer plein de choses. Si c'est le défenseur de Gobert qui vient, ben, il va faire la petite passe à Gobert. On voit le 5 près du panier qui va terminer en dunk. Ou il va simplement, s'il y a eu
un changement sur l'écran, on peut passer la balle dans le coin à O'Neal ou retrouver Bogdanovic à l'opposé. Donc, tu vois, c'est le genre de situation assez simple. Utah a des bonnes façons de le camoufler, des fois, dans le début du système, mais c'est compliqué parce que même s'il n'y a pas rien d'extrêmement complexe dans ce que je viens de montrer là, il y a quand même menace au panier avec Gobert, menace de scorer avec le joueur qui a la balle dans les mains, puis tout le monde qui est autour est à droit à trois points et est intelligent en termes d'agressivité ou de patience en fonction de ce que la défense a proposé. Et on réussit malgré tout à gagner, même si Mike Conley a raté les cinq derniers matchs en raison d'une blessure à une jambe. En terminant, parce que je le répète, le temps file, Charles, on voulait te féliciter pour ton nouveau poste avec les Blackjacks d'Ottawa. Tu seras donc entraîneur-chef à compter de cet été, en fait, à compter de la fin du printemps essentiellement. J'aimerais que tu me parles de ce nouveau défi pour toi. On sait que tu étais adjoint avec les Raptors 905. Et là, d'être entraîneur en chef à nouveau pour toi, qu'est-ce que ça représente? Vraiment content. J'ai eu l'opportunité d'être avec les Raptors, comme tu disais, depuis 2 ans. J'ai appris énormément de choses là-bas. Bon, la pandémie, elle a été prévue par personne. Donc, on fait un petit peu avec ce qu'on a dans ces situations-là. La G League, il y a seulement 17 équipes qui ont une équipe cette année. Beaucoup de gens qui ont écopé à travers la Ligue, presque 50 % des employés. Donc, pour moi, d'avoir le luxe de rebondir sur un poste d'entraîneur-chef au Canada, dans une Ligue extrêmement prometteuse, qui, moi, je me disais toujours depuis très longtemps, depuis que je suis parti en Europe avant d'aller en Asie. C'est dommage qu'à peu près tous les pays dans le monde ont des ligues professionnelles dignes de ce nom, mais le Canada, on n'en a pas une. Puis pourtant, on arrive très bien à prouver, par exemple, au football, que la CFL, bon an, mal an, ça fait quasiment 100 ans qu'elle existe. Puis les équipes de la CFL, on les connaît bien à travers les gros marchés canadiens. Il n'y a pas de raison, avec le développement du basket depuis 10 ans, qu'on n'ait pas la même chose au Canada. Donc, l'arrivée de la CBL, la création de cette ligue-là depuis 2019, c'est vraiment ce qui manquait dans le paysage du basket canadien. Ça m'intéressait beaucoup. Bien entendu, je n'étais pas dans une position de disponibilité pour m'y impliquer, mais dès que j'ai su que je n'allais pas être de retour avec les 905 cette année, Ottawa m'ont appelé immédiatement. Il y avait un seul poste d'entraîneur-chef disponible dans la Ligue, donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être considéré immédiatement par l'état-major là-bas. Puis je pense qu'on va arriver à créer quelque chose d'excitant dès cette saison. Ottawa, c'est une équipe qui n'a jamais joué devant ses supporters. Encore, il y a eu seulement la bulle l'été passé. Donc, on espère que la pandémie va nous laisser tranquille un peu, puis va nous laisser avoir une saison qui ressemble à quelque chose comme on le voudrait cet été. Donc, très excité du nouveau défi, puis de revenir dans le siège d'entraîneur-chef que j'ai occupé longtemps, mais avec les connaissances que j'ai emmagasinées avec les Raptors depuis 2 ans. Très heureux pour toi, Charles Dubébray. Merci encore une fois pour ta participation au balado du Centre-Ville. Et pour notre part, bien, on se retrouve jeudi à la description du match Raptors-Bucks, mais tu seras donc sur nos ondes ce soir en compagnie de Mathieu Jolivet. Sois prudent sur la route, même s'il neige plus présentement. Sois très prudent et on te regarde ce soir sans faute. Merci encore, Charles. Merci. Salut, Charles. Félicitations encore. Merci beaucoup, Max. Max, toi qui as joué pendant de nombreuses années au basket, en tant que big man, évidemment, c'est difficile sur le corps, avec la grandeur, avec le poids, c'est difficile sur les genoux, c'est difficile sur les chevilles. Quelle a été peut-être ta plus grosse blessure en basketball ou quelles ont été tes blessures en jouant au basket? J'en ai eu deux. J'ai été chanceux, là. Je touche du bois. Je me suis pas blessé là, dans mes belles années du cégep, puis à l'université. Je me suis blessé à ma première année au cégep. Je me suis disloqué le ménisque. C'est même pas en jouant au basket. Fait cocasse, là, je vais faire ça vite. Je jouais à Champlain-Saint-Lambert. J'habitais à Verdun, à Montréal. Donc, le soir, après les pratiques, il fallait prendre le métro. Et le métro à Longueuil, tu entends toujours un signal sonore avant que le métro parte. Donc, quand tu l'entends, là, je me suis garoché, descendu les escaliers, mais trop vite. J'ai atterri sur mon genou, puis clac, je l'ai senti tout de suite. Mon ministre s'est disloqué. Fait que ma première année cégep, j'ai malheureusement pas joué. Sinon, là, par la suite, j'ai joué 2 ans au cégep, jamais été blessé. 4 ans à l'université, jamais été blessé. J'ai arrivé pour jouer professionnel en Chine, sauter pour un rebond, atterri sur un pied, tordu la cheville, puis cassé l'os ici là, de la petite orteille. Donc, c'est les deux seules blessures que j'ai eues, mais j'ai bien hâte là, qu'on parle à notre prochaine invitée parce que c'est sûr qu'il y a, c'est pas tout le monde qui se prépare physiquement ou qui font, par exemple, de l'échauffement ou qui aime s'étirer.
mais il y a vraiment un besoin. Moi, je le faisais. Notre entraîneur à Buffalo était un peu, comment je peux dire, hors textbooks. Donc, on faisait beaucoup de cours de yoga chaud pour aider là, à s'étirer puis tout ça. Puis, écoute, je pense que c'est une des choses qui m'a aidé là, à ne pas avoir de blessures là, pendant ma carrière universitaire. Et Max, ça, c'est vrai lorsqu'on est dans la vingtaine et lorsqu'on est dans la trentaine, comme nous deux, c'est encore plus important de se préparer. Parlons donc de blessures et de préparation physique avec Élise Jobin, elle est physiothérapeute. Et pour ceux bon, qui suivent le basketball universitaire, elle a été une des excellentes joueuses du Rouge et Or de l'Université Laval. Et c'est drôle parce que Élise, on ne se connaît pas, mais je garde quand même de bien mauvais souvenirs de toi, en ce sens que j'ai eu la chance de décrire les matchs des Citadins de l'UQAM. Et je me souviens encore de tes performances sur le terrain et des finales entre les Citadins et le Rouge et Or. Mais blague à part, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es là ce matin pour nous parler d'une application qui s'appelle Pro Athlete. Pour les gens à la maison bon, qui entendent parler de Pro Athlete pour la première fois, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Oui, fait que Pro Athlete, c'est aussi Pro Athlète. Je trouvais que c'était un bon titre, disons, pour qu'il allait dans les deux langues. Pro Athlète, dans le fond, c'est une application que j'ai créée qui vise vraiment la santé et la performance pour les athlètes. Fait qu'en gros, c'est un programme de prévention de blessures qu'on va probablement aborder un petit peu par la suite. Fait que ça contient, dans le fond, des échauffements. Comme Max était en train de parler, que c'est super important de s'échauffer avant chaque pratique ou match. Après ça, il y a tout plein d'exercices. Fait que c'est des exercices surtout préventifs qui vont viser la prévention des blessures les plus fréquentes qu'on retrouve au basket. Fait qu'on parlait d'entorse de cheville, d'entorse de genou, douleur au genou, etc. Ça va aller viser beaucoup ces blessures-là. Puis, il y a la portion éducation aussi. Fait que chaque mouvement est bien décrit, comment bien faire le mouvement, les points techniques aussi à respecter pour que l'athlète fasse bien les mouvements de base aussi. Puis, ça ressemble à ça. Après ça, il y a un petit côté performance qui va être ajouté dès cet été. Fait que je vais aller, avec la collaboration de préparateurs physiques et kinésiologues, là, on va aller rajouter une section complète de musculation là, qui va avoir une musculation hors saison, pré-saison, pendant la saison aussi. Fait que ça va vraiment être une application qui vise la santé, la prévention des blessures et la performance. Puis, c'est spécifique pour les athlètes de basket. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer dans une application aussi? Parce que tu aurais très bien pu faire simplement un programme, mais tu as voulu bâtir cette application-là. Pourquoi avoir choisi cette route-là? Bien, c'est sûr qu'au début, tu sais, je voyais ça gros, l'application. Puis ça, c'est quand j'ai travaillé avec l'équipe canadienne junior de basket comme physio. On faisait déjà, ils m'avaient formé dans le fond pour être capable de prendre en charge un peu le côté prévention pour les athlètes. Fait que comme physio, on est beaucoup axé sur la réadaptation de blessures, mais on a aussi un rôle dans la prévention. Puis j'ai vraiment adoré ce rôle-là. Puis, c'était quelque chose qui était offert, disons, aux athlètes plus élites de haut niveau qui avaient ces ressources-là. Puis, après ma première année avec eux, tu sais, je me disais, pourquoi pas tout le monde a accès à ces ressources-là? Parce que c'est pas nécessairement juste les athlètes de haut niveau qui ont besoin de ces ressources-là. Puis, au contraire, c'est presque tous les athlètes de sport-études, de parascolaires, de cégep, d'université, peu importe. Tout le monde a besoin d'être capable de bien s'échauffer puis de mettre toutes les chances de leur côté pour prévenir les blessures puis les séquelles qui viennent avec. Fait qu'au début, tu sais, j'ai commencé par jaser des conférences, des choses comme ça. Je remettais une feuille avec un échauffement typique à faire pour que, tu sais, pour, disons, avec visée préventive, mais... Mm-hmm. Je me disais moi-même, même quand j'étais à Laval, on faisait un échauffement toute l'année, puis on était tellement tannés à la fin de l'année de faire tout le temps la même chose. On était vraiment tannés. Ah oui, ça c'est vrai. Ben oui, puis tu sais, après, tu t'appliques beaucoup moins dans tes mouvements, tu sais, ça devient comme une habitude finalement. Fait que dans ma tête, je me disais, il faut qu'il y ait un moyen, qu'il y ait une variété, qu'il y ait du contenu autant pour des plus débutants que des plus avancés. Fait que c'est là que j'ai pensé à la plateforme d'application qui était vraiment accessible
pour tout le monde. C'est tout le monde qui a un cellulaire a accès à des applications mobiles. Puis aussi, ben, ça peut être local, mais ça peut être national, ça peut aller partout dans le monde, finalement, une application. Fait que je me disais que c'était le meilleur moyen d'aller viser le plus de gens possible pour être capable de faire une différence à ce niveau-là. Mm. Élise, en tant que physio, quelle sorte de blessure tu vois le plus souvent aux joueurs de basket? Je pense que tu disais l'entorse à la cheville ou au genou, mais est-ce que c'est ces deux-là ou il y a d'autres choses que tu vois là, qui viennent de façon récurrente là, année après année, là, surtout dans le sport du basket, que ce soit du côté masculin là, ou féminin? En fait, il y a les blessures les plus fréquentes, puis il y a les blessures les plus méchantes. On dirait que je les mets dans deux différentes catégories. Fait que blessures les plus fréquentes, je vais dire l'entorse de cheville. Ça, c'est documenté aussi dans toutes les recherches, mais en clinique, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Puis, ce n'est pas toujours des accidents, par exemple, comme toi, Max, qui a pilé sur le pied de quelqu'un, puis que ton pied a viré. Fait que des fois, ça peut arriver, tu es tout seul, tu es en train d'atterrir d'un saut, par exemple, puis le pied ne t'atterrit pas nécessairement de la bonne façon, puis ça crée une entorse. Fait que c'est sûr qu'il y a l'accident, que oui, on peut piler sur des pieds de temps en temps, mais ça arrive sans contact aussi. Fait que ça, on en voit extrêmement souvent. Ça arrive aussi quand, par exemple, en contexte de pandémie. Là, il y a plusieurs jeunes qui, vu qu'il n'y a pas de basketball encadré et tout ça, ils ne vont pas nécessairement s'entraîner de façon optimale à la maison. Fait qu'ils sont peut-être moins en forme. Puis là, boum, le basket recommence, par exemple, en janvier, après le mois de fermeture des écoles. Puis la première semaine, il y en a qui se virent les chevilles, qui se font des entorses, puis qui viennent me trouver en physio. Fait que ça, je trouve ça plate aussi de cette façon-là. Faut que les jeunes soient bien entraînés aussi pour être capables d'être en santé puis de prévenir ça. Fait que ça, c'est numéro un pour l'entorse de cheville. Je dirais les blessures les plus fréquentes, mais qui sont pas trop méchantes, ça serait tout ce qui est douleur non traumatique au genou. Fait que ça, c'est des fois quand on a mal, tu sais, au tendon rotulien qui est en dessous du genou, ou juste alentour de notre rotule, tu sais, juste des douleurs un peu vagues au genou. Ça arrive très, très, très fréquemment. C'est pas nécessairement des douleurs qui vont tout le temps t'arrêter de jouer. Fait que des fois, il faut qu'on diminue un petit peu le volume d'entraînement. Des fois, il faut qu'on arrête pour des courtes périodes. Mais c'est juste que ça devient dérangeant, premièrement, de tout le temps jouer avec la douleur. Puis, ça peut devenir chronique aussi. Fait que des fois, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Puis après ça, bien, c'est sûr que ça affecte ta performance quand tu as des douleurs. Tu vas sauter différemment. Tu vas pousser au sprint plus avec une jambe qu'avec une autre jambe. Tes changements de direction, tu vas être moins explosif avec ton genou que tu as mal. Fait que ça affecte beaucoup la performance, ces genres de douleurs-là. Puis finalement, bien, c'est la blessure. Parce que j'imagine que tu finis par compenser finalement. Oui, c'est sûr que c'est le corps qui s'adapte. Bon, tu compenses de la gauche. Oui, c'est sûr. On va essayer, le corps naturellement, il est intelligent, il va essayer d'éviter de solliciter le genou blessé, par exemple. Fait que oui, il y a beaucoup de compensation. Puis, est-ce que ça peut augmenter ton risque de blessure à ton autre jambe? T'sais, je ne pense pas qu'il y a rien de prouvé par rapport à ça, mais si on pense logiquement, c'est sûr que oui, en compensant toujours avec l'autre jambe, ben, il y a plus de charge sur cette jambe-là aussi. Là. Mm. Puis je vais juste... Donc, tu parlais des grosses blessures aussi, donc, oui? Oui, c'est ça, des grosses blessures. Fait que la plus méchante de toutes les blessures, puis que les jeunes redoutent, là, c'est vraiment la déchirure du ligament croisé antérieur. Je sais pas si le fameux ACL en anglais, oui. Exactement, le ACL. Puis c'est une blessure qui ne pardonne pas. Si quelqu'un peut éviter de se faire ça dans une carrière, c'est sûr que c'est la meilleure chose qui peut arriver parce que, premièrement, ces blessures-là, de nos jours, ils arrivent de plus en plus jeunes. Ça, c'est prouvé aussi par les recherches qu'il y a vraiment une augmentation de ces blessures-là, puis chez une plus jeune population. Après ça, ben, dès que le ligament est complètement déchiré, c'est très rare que les jeunes sont capables de jouer au basket parce que ce ligament-là, il stabilise dans tout ce qui est changement de direction, saut, fait que tout ce qui est multidirectionnel, dans le fond. Fait que dès qu'il n'y a plus de ligament, le genou, on le sent moins stable, on y fait moins confiance, puis c'est pas nécessairement recommandé de continuer à jouer sans subir une chirurgie. Là, c'est sûr qu'il y a différentes options. Il y en a qui se font opérer, il y en a qui ne se font pas opérer. Mais la majorité finissent par se faire opérer parce que ça leur permet d'être plus stable au niveau du genou. Puis
les délais sont longs. C'est ça l'affaire. C'est quand on se déchire un ligament croisé, en moyenne, je dirais au Québec, c'est à peu près un an et demi avant que l'athlète puisse retourner au jeu de façon. Je pense que je vous avais perdu. Dans le fond, c'est ça. Ça prend à peu près un an et demi pour que l'athlète puisse retourner au jeu de façon sécuritaire. Fait que c'est très, très, très longtemps à ne pas jouer au basket. Après ça, ben, il y a un risque qu'il se déchire soit le même ligament ou l'autre ligament. Il y a quand même un risque plus élevé dès qu'on s'en est déchiré un. Puis après ça, ben, il y a un risque d'arthrose aussi plus élevé à long terme là, pour ces athlètes-là. Fait qu'autant à court terme qu'à long terme, c'est vraiment une blessure qu'on ne veut pas avoir. Élise, qui devrait se procurer cette application-là, Pro Athlete ou Pro Athlete? En quoi ça va aider justement les personnes qui nous écoutent présentement? En fait, qui devrait se procurer l'application? C'est quand même assez simple. En fond, c'est sûr que chaque entraîneur qui coach une équipe devrait avoir l'application. Puis, ça, c'est parce que à chaque entraînement que tu vas faire, à chaque pratique ou à chaque match, tu dois t'échauffer de façon correctement. Fait que tu choisis un échauffement dans l'application, puis tu vas le mener là, avec tes athlètes avant chaque pratique ou match. Fait que c'est super utile que chaque entraîneur ait son petit coffre à outils pour être capable de prendre en charge au niveau de la prévention de ses athlètes. Après ça, ça dépend des besoins de l'école. Fait que moi, j'ai par exemple des écoles qui ont acheté pour tous les athlètes. Puis ça permet à chaque athlète d'avoir des exercices adaptés à leur niveau, à où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que c'est comme plus personnalisé quand chacun des athlètes a aussi son application. Mm-hmm. Puis pour ce qui est des entraîneurs, ils peuvent aussi donner la tâche aux athlètes de mener leurs propres échauffements. Parce que ce n'est pas toujours à l'entraîneur de faire ça. Ça fait partie aussi des habitudes de l'athlète de le faire par lui-même aussi. Puis pour ma part, je trouve qu'en donnant cette tâche-là à un athlète, ça développe aussi son leadership à ce niveau-là. Fait d'être capable de mener un échauffement, de donner les bonnes instructions, etc. Puis ça lui permet d'apprendre aussi comment bien faire les mouvements. Fait qu'après ça, ça dépend aussi côté préparation physique de l'encadrement. Fait que c'est sûr que moi, le genre de forfait optimal, ça serait que les entraîneurs et les athlètes aient chacun leur compte. Puis après ça, dépendant du budget ou des ressources, etc., là, des fois, c'est plus les coachs qui vont l'acheter, etc. Fait que ça dépend beaucoup des besoins des programmes de basket au final. Moi, ce qui me fascine quand même, c'est de vous entendre parler à quel point les échauffements au basket, j'ai l'impression que les entraîneurs sont mal outillés. Et pourtant, tu dis, c'est la base. Et moi, ça me fascine de voir, comme Max disait, ton échauffement à Buffalo, c'était tout le temps essentiellement la même chose. Est-ce que, justement, les entraîneurs sont mal informés? Oui, puis c'est vraiment pas de leur faute parce que c'est pas ça leur coaching qu'ils ont eu. C'est ça. C'est vraiment une question de manque de ressources, je pense. Puis c'est là que moi je viens puis que j'éduque, je fais de la formation, des conférences par rapport à ça. Mais c'est pour ça que c'est utile, je pense, d'avoir un outil là, qui peut aider à ce niveau-là pour pas qu'il y ait à se casser la tête non plus à créer des échauffements ou à faire des choses comme ça parce qu'essentiellement, c'est pas leur expertise. Fait que oui, c'est ça mon objectif, que les coachs soient beaucoup plus outillés à ce niveau-là. Donc, peut-être une dernière question, Alec. Vas-y, Max. Oui, vas-y. Oui, on parle d'échauffement avant, on parle d'exercice pendant, mais à quel point aussi c'est important de s'étirer, pas de s'échauffer, mais après une partie ou après une pratique, de pas juste s'échanger puis après ça partir puis rien faire. Bien, je te dirais que si on regarde les étirements comme tels, c'est un petit peu dépassé de dire qu'il faut s'étirer après chaque pratique. Les études, ce qu'ils démontrent, c'est que les étirements ne vont pas nécessairement aider à prévenir les blessures. C'est beaucoup plus les mouvements comme les fentes, les sauts, les atterrissages, le renforcement des stabilisateurs, comme les fessiers, par exemple. Fait que c'est beaucoup plus ces mouvements-là qui vont prévenir les blessures. Fait que moi, mon discours par rapport à ça, c'est si tu sens que tu as de la raideur, que tu es stiff, que tu manques de mobilité, des fois, on a les hanches raides, on a d'autres muscles qu'on sent qui sont vraiment tendus,
ben étire-toi, ça va faire du bien, ça va relâcher un petit peu ta tension musculaire. Mais de là à dire que c'est nécessaire puis que ça aide à la prévention et la récupération, ça, c'est plus la mode en 2021 de faire ça. Mais ce qui est important pour la récupération, c'est beaucoup plus le cool-down. Fait que c'est de pas nécessairement passer à un exercice qui est de haute intensité à aller s'asseoir puis jaser avec nos coéquipiers ou faire des étirements ou peu importe. C'est d'aller faire un entre-deux avant qu'on aille s'asseoir puis qu'on parte pour la soirée. Fait que ça peut être des exercices de lancer franc avec du jog léger entre les paniers. Ça peut être des passes avec un partenaire, du shooting avec un partenaire. Mais il faut qu'il y ait une transition entre haute intensité puis repos. Max, toutes les minutes qu'on a perdues à s'étirer après nos matchs, après nos activités sportives, ça là, c'est des minutes et des heures qu'on ne récupérera jamais. Quel match que tu as joué, Alex? Je t'ai jamais vu jouer encore. Tu t'es tiré après des matchs. Dans tous les sports, maintenant. Ok, c'est correct. Max. Ben, comme toi que je joue au basket, tu as joué au hockey. Moi, j'ai joué au baseball pendant 12 ans. Évidemment, j'ai pratiqué du sport comme tout le monde. Et c'est drôle parce que ma seule entorse que je me suis fait dans l'histoire, c'est justement en jouant au basketball, tir en foulée. et comme tu disais, Élise, j'étais tout seul. J'arrive au panier, un, je l'ai manqué. Mais deux, je suis retombé sur ma cheville gauche. Et là, j'en ai eu. Honnêtement, j'en ai eu pour un mois et demi à peu près à avoir de la difficulté à mettre mon poids sur ma jambe gauche. Et déjà bien, donc, pour les gens qui veulent de plus amples informations sur Pro Athlète, on se rend à quel endroit? J'ai plusieurs moyens, dans le fond, pour communiquer avec moi. Fait que ça peut être à travers soit les réseaux sociaux. J'ai une page sur Instagram qui s'appelle Pro Athlète Basketball. Après ça, j'ai une page Facebook aussi au même nom. Puis sinon, ils peuvent juste me contacter là, avec mon adresse courriel qui est Elise, E-L-Y-S-E, à commercialproathlete.ca. Et ça va me faire plaisir là, de jaser avec quiconque qui est intéressé là, par ça. Puis je suis contente. En fait, merci beaucoup là, de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui. Ça va permettre justement de conscientiser les gens puis de savoir qu'il y a quelque chose qui existe pour que les jeunes soient plus en santé. Là. Merci à toi, Élise, pour ta présence. Merci. Et on se retrouvera, si tu le veux bien, plus tard cette année pour que tu nous donnes une petite mise à jour là, de ce qui se passe avec Pro Athlète. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ta présence au balado du Centre Bell. Merci à vous. Merci, bye-bye. Merci, bonne journée. Bye-bye. Max, reste quelques minutes à peine. Rapidement, est-ce que tu peux nous donner tes héros et tes zéros de Boudreau? Donc, on revient dans la NBA. Oui, exact. Écoute, faut pas passer aperçu. Mon héros de la semaine, Devin Booker des Suns de Phoenix, Alex, ça tombe en plus que je pense qu'il vient d'être nommé le joueur de la dernière semaine. Phoenix, là, c'est une équipe qu'en début de saison, on en a parlé à cause que Chris Paul était arrivé, mais on dirait depuis le début de la saison, personne vraiment en parle. Ils font leur petit bout chemin. sont présentement cinquième dans l'Ouest, à un match la quatrième place. Puis, la dernière semaine a été parfaite pour eux. Là, Devin Booker, là, je pense 32,3 points par match, 5 aides, 5 rebonds. On connaît le talent de Devin Booker. On savait aussi, là, avec leur performance dans la bulle l'année passée, là, ça a été un peu crève-cœur là, parce qu'il avait été parfait. Pendant la saison à Orlando dans la bulle, mais avait perdu le dernier match là, pour se qualifier. Mais quel joueur! Je suis content pour lui. Je suis content que Phoenix joue bien parce que dans les 3-4 dernières années, là, c'était un peu lamentable là, à Phoenix. Donc, mon héros Boudreau de la semaine va à Devin Booker. Mon zéro encore, je veux pas pointer personne du doigt. Mais je ne veux pas dire encore, encore, c'est une équipe. On en a parlé un peu. OK, encore une équipe. Indirectement. L'équipe à Andre Drummond, pardon, les Cavaliers de Cleveland en ce moment. On a perdu 8 matchs de suite. Andre Drummond est sur le banc. On a clairement dit qu'on le cherchait à l'échanger, donc on ne va pas le faire jouer pour pas risquer qu'il y ait une blessure. Mais dans les 8 défaites qu'on a eues à Cleveland, une seule par 6 points, puis tout le reste, c'est des dégelés là, de 10 et je pense 12 points et plus. Là, donc,
Ça va pas bien à Cleveland. Comme disait Joachim Noah dans le temps, il n'y a pas personne qui va en vacances à Cleveland. Fait que ça va pas bien dans le Mistake by the Lake, comme on appelait quand mes bonnes années à Buffalo, quand on jouait dans les équipes proches de Cleveland. Donc, mon zéro de la semaine, mon zéro Boudreau, va à l'organisation, à l'équipe qui est sur le terrain là, des Cleveland Cavaliers. Max Boudreau, encore une fois, toujours un plaisir de co-animer ce balado du centre-ville. Probablement l'édition la plus longue du balado du centre-ville, celle de ce matin, très intéressante également avec Charles Dubébret et Élise Jobin. On vous rappelle, il y a du basketball sur RDS et sur RDS2 au cours des trois prochains jours, donc le 17 février, 18 et 19. On présente deux matchs des Raptors de Toronto dans cette séquence, à commencer par demain, le 18 février, alors que les Bucks de Milwaukee, encore une fois, vont accueillir les Raptors de Toronto. Donc, Max, pour notre part, on se retrouve le 3 mars prochain, au lendemain, et oui, au lendemain de ma fête, de mon 37e anniversaire. J'attends le gâteau et les chandelles. J'espère que ça me prépare une surprise pour ma fête, right? Ben c'est sûr, mais je t'achèterai pas une paire de souliers vu que tu en as déjà. Donc, je vais te faire un petit quelque chose, puis on va célébrer ça sur au début du prochain podcast. C'est sûr qu'on manquera pas de sujets. La NBA a toujours des sujets jour après jour. On va peut-être aussi parler un peu le March Madness qui s'en vient. Donc, très hâte de vous revoir là, dans deux semaines. Et on parlera évidemment des formations qui devraient être complètes à ce moment-là pour le match des étoiles qui sera disputé le week-end suivant. Donc, très, très hâte de vous retrouver le 3 mars prochain pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny qui, pour Max Boudreau, Charles Dubébret et Élise Jobin, vous souhaite une très belle fin de journée. On se retrouve pour notre part dans deux semaines. Bye tout le monde.